Vous souvenez-vous de la légende d'Aladin et de sa lampe magique? On a tous rêvé d'être à la place d'Aladin, de frotter la lampe, de voir le génie sortir et de demander au génie tout ce qu'on veut et de voir tous nos souhaits se réaliser. C'est possible, à une condition, à la condition que vous répondiez à une question essentielle. Bonjour, je suis Ludovic Briand. Comme vous savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie. La question à laquelle nous devons répondre, c'est qu'est-ce que nous voulons vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Je discutais avec une personne récemment et je lui demandais, elle me disait « Ouais, les choses se passent pas comme je veux, j'arrive pas à obtenir ce que je souhaite dans ma vie. » Et je lui demandais ce qu'elle voulait. Elle me dit « Bah, je souhaite être épanouie, je souhaite le bonheur. » En fait, elle savait pas ce qu'elle voulait réellement. Donc, pour réaliser en fait ses objectifs, pour avoir la vie qu'on souhaite, pour recevoir la vie qu'on mérite quelque part, eh bien, il faut savoir réellement ce qu'on veut. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on envoie un message clair et précis en fait à la vie. Donc c'est peut-être le message, un message comme « je souhaite la liberté financière » ou « je souhaite faire le tour du monde » ou « je souhaite créer mon entreprise » ou « je souhaite créer mon projet de cœur ». Si en revanche on envoie un message confus à l'univers comme « je souhaite la liberté financière mais l'argent ne fait pas le bonheur » ou « je souhaite faire le tour du monde mais j'ai pas d'argent » ou « je souhaite démarrer mon projet de cœur mais je ne sais pas par où démarrer » ou « je souhaite démarrer mon entreprise mais j'ai pas l'argent pour ça » enfin, si on émet un message comme ça confus avec des doutes et des craintes, eh bien là rien ne se réalise, donc l'attraction ne fonctionne pas. Donc la première condition, c'est de savoir réellement ce qu'on veut dans notre vie. La deuxième condition, bien sûr, c'est accepter en retour, c'est accepter de recevoir ce que la vie a à nous offrir. Et souvent, la vie, elle a à nous offrir le meilleur pour chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment obtenir ce qu'on veut, on peut vraiment vivre la vie qu'on mérite. C'était Ludovic Briand qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Ludovic Briand. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. Vous aurez régulièrement des vidéos inspirantes. Vous pouvez également nous rejoindre sur l'application pour mobile Entrepreneur Zen. Si cette vidéo vous inspire, ben, likez-la. Ça améliorera notre référencement. Vous pouvez également la partager. Vous pouvez la commenter et nous dire où vous en êtes aujourd'hui donc dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.